Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 11, comme le nez au milieu de la figure. Donc là, nous allons vers l'une des tours. Supposé où il y aurait le trésor. Ce serait complètement dingue. Notre ami. Mais on en a ah ouais, déjà ici, vu c'est grand. Hein. Ça, tu peux le dire. Laissez passer. Il y a un compte qui vend des produits volés. Alors, par où faut aller? Bonjour. De la viande. Des pommes. Achetez mes belles pommes. Ah. Ok, ça va, j'abandonne. Merci beaucoup. Oh, une pomme, ça fait pas de mal. Régalez-vous bien et parlez-en à vos amis. Non, j'ai pas d'amis. Oh, trop mignon. Salut mon pote. Comment ça va? Ça te plaît ça, hein? Hey, à tout. Hey, mais celui, viens voir, c'est un lémur. Allez, viens lui dire bonjour. Trop kiki. Non, merci. Trop mignon. J'ai dit, c'est un suricate, non? J'avais peut-être dit dans ma tête. Oh, hey, 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 ma pomme! Il m'a volé ma pomme! Ah, hey, ma pomme! Confiance à personne. Donc moi qui pensais que une des 12 tours était une tour abandonnée, en fait c'est très touristique. Il a raison, ça sent très bon. Où c'est attention. Bah attention, t'as qu'à pousser ton gros cul toi. Alors comment on rentre? Ah nous y voilà. C'est fermé. Va falloir qu'on se faufile à l'intérieur. Discrètement. Oui, c'est ce que je voulais dire par se faufiler. Ah. Hey, regarde. La fenêtre là-bas, elle est cassée. Et parfait, ça. Je pense qu'on peut passer par là. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est beau. Ça me semble interminable. Tout va bien pour toi? Avance à ton rythme et moi j'avance au mieux. D'ailleurs, ça fait plaisir de pouvoir rejouer avec Sullivan. On n'avait pas encore joué avec lui. Et là, il est avec nous, donc c'est plutôt cool. En fait, il était avec nous quand on était 6, on est pleine et tout là dans la savane. Tiens, hop là. Le sceau d'Edward England, comme indiqué sur la carte. Bon, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Très bonne question. Ah, on cherche plein de trucs. Le bonheur, de l'argent, l'amour, des putes, je sais pas. C'est magnifique. Simplement gigantesque ce clocher. Ouais, ça tu l'as dit. Et ça m'a l'air très compliqué à grimper par contre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Bon. Tiens, qu'est-ce que tu paries? Ok. Ce sont les signes du zodiaque. Verseau, scorpion, c'est le lion. Et le lion. Ah, et là le taureau. Le lion, 4 signes. Et on a aussi 4 cloches, tout là-haut. Donc à mon avis. Ça ressemble à des serrures, non? J'ai compris. Allons sonner les cloches. T'as compris, enfin, t'es le seul à avoir compris, mon pote. Parce que moi, j'ai pas compris. Bon endroit, c'est sûr, appelle ça. Tout de suite. Scorpion, verseau. Scorpion, commandeur. Poisson, salut, taureau, Sam. Lion. Ton 1, 2, 3, 4. Moi, on a trouvé la bonne tour, tu nous rappelles? Pas très performant le réseau dans cette ville. Allez, pas la peine d'attendre plus longtemps. Allez hop, on grimpe. Comment on fait pour grimper déjà? Ah oui, ok. Donc je pense que cet épisode-là va surtout être de l'énigme plutôt que du combat. Contrairement à l'épisode précédent. Ah ok. C'est pas croyable. Et t'as vu ça, Sully? L'horloge marche encore. Ouais, j'avais remarqué. Essaie de pas te retrouver coincé dans tous ces engrenages. C'est incroyable. Ça va remonter? Ouais. Ça remonte. Ok, donc faut pas que je me fasse niquer. Mais lui, il va tomber. Ok, bien joué.
Ok, mon gars. Oula. Oula. Tout va bien? Ouais, pas de problème. Alors. Ok, attention à tes doigts, Nate. Je devrais m'inquiéter? Non, tout va bien. Faut faire quoi? Ah, c'est là qu'il faut aller. Sur le côté. Wow, 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 j'ai même pas fait gaffe. J'ai failli me faire éclater la tronche. Là, c'est le lion. Mais c'était pas le lion qui est apparu en premier, c'était le scorpion. Bah, je vais quand même le faire dans le doute, mais. Je suis sorti avec une lionne une fois. Tu sais. Moi aussi. Tu m'étonnes que c'est pas cool pour les oreilles, mon gars. Ça n'a eu aucun effet, Nate. C'est normal parce que c'était pas lui qu'il fallait faire en premier. C'est scorpion, poisson. Oh la vache. C'est quoi là? Il y a taureau. On a dit scorpion à gauche là. Allez, vas-y, mon pote, quand tu veux. Donc là, on a le scorpion, c'était le premier. Donc scorpion. On va faire le scorpion. Pareil qu'avril, t'es scorpion. Ça va faire mal. Hey, ok. Nate, ça a fonctionné. La serrure du scorpion vient de se débloquer. Ok, je passe à la deuxième maintenant. Donc, poisson. Et je suppose qu'il faut. Oh la vache! Comment je fais? Ouf! Ça me donne envie de vomir ce truc. Ok. Wow, c'est bon. Wow, 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 wow. Ah, mais là on a Sully, le taureau. Des nouvelles de Sam? Mais moi ça m'intéresse pas. Je suis sûr qu'il va bien. Il a dû oublier de charger son téléphone. Il est où le poisson? Ah, il est juste là. Alors, je regarde, hein. Personne survit à cette hauteur-là. Les gens bien. Ah non, verso, j'avais raison. Aquarus. Pourquoi j'ai que c'est poisson? J'avais raison, c'était verso. Oh, cette énigme-là, elle est facile, hein, ça va. Donc, lion. Lion, c'était où? C'était. Je ne sais plus. Wow, 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 wow. Ok. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Aha! Sur ce balancier. Ok. On a dit que c'était Lyon après. Hein. Je revérifie, mais c'est Lyon. Hein. Oui. Donc, Lyon. C'est parti, tôt! Donc là, ça va faire encore une action en bas. Celle du lion est débloquée. Ok, il en reste plus qu'une. Taureau. Il était où, taureau? Et il est en haut, ok. Ça va, c'est pas si compliqué que ça, en vrai. Comment on y va? Ah, c'est pas par là. Faut continuer à monter. Faut passer par le scorpion, c'est ça? Allez, vas-y, mon pote. Quand tu veux, Coco. Merci.
Et Scorpion, c'est de l'autre côté. Taureau. Oh la vache, c'est dur. Faut grimper et... Ouah. Alors, heureusement que le jeu est tel. Hein, je... Tu peux arrêter de faire des folies, s'il te plaît, Knight, merci. Le temps. Allez, petite animation. Un lumurien sur le truc, c'est trop mignon. Il a confiance, hein, quand même, hein. Un peu trop à mon goût. Il y a un levier ici, donc je suppose qu'il faut. Ok. Ah, c'est pour. Wow. Sympa. Y a rien à détruire, y a pas un truc à casser. Putain! Tout à l'heure j'ai essayé de sauter dessus. Hein. Ah ça me vénère. Ah quand ça fait ça, ça me saoule. Ah ça me saoule. Depuis 10 minutes je suis là comme un bolos à attendre là. Alors qu'en fait j'avais la solution dès le départ. Ah ça me saoule. Non. Et ben voilà, pas de retour en arrière. Là, ça c'est réglé. Waouh. Ok mon gars. Ok, mais ça me dit toujours pas où aller. Ah, ok. Ok. Ah, voilà. Donc elle est bien cassée là, la tour. Hein. Elle va par là qu'il faut passer. J'espère vraiment que tout va bien pour toi, Sam. C'est pas par là qu'il faut passer. C'est par là qu'il faut passer. Tac, 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 tac. Allez, vas-y, grimpe, Coco, grimpe. Disons que... Elle est très haute, cette tour. Ça va tomber. Non? Oh là là. Ouais, j'y ai cru, hein. C'est bon, Sully, j'ai réussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah bah ouais, c'est tout ça. Sully, attention. Désolé, ok. La poignée s'est cassée. C'était sûr qu'il fallait faire ça. Va falloir que je le fasse sonner moi-même. Logique, quoi. Allez, on y va. Tout va tomber, j'en suis sûr et certain. C'est sûr. C'était sûr. Oh. Ah merde. Putain. De toute
façon, c'était sûr que tout allait se péter, la gueule. Je fais que ça. Oh la vache. Eh bah dis donc. Genre tous les touristes dehors ont rien entendu, tu sais. Genre. Oh la vache. De Dieu. Tiens, celui. Oh merde. Au moins j'ai réussi à ouvrir la porte. C'était une façon de faire. C'est... Ça va bien. C'est bon. Ouais. La vache. Sacré boum quand même. Tiens, regarde. La pièce. Tu la veux? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. On laisse en voir. Je croise les doigts pour qu'on tombe sur les tonnes d'or et de bijoux. Sam, enfin, tout va bien? Ouais, les bougies sont allumées, mais comment c'est possible? Ouais, bah, nous, on est au bon endroit, y'a aucun doute. Viens vite nous rejoindre. Ah bon, t'es sérieux? Ok, ok, j'arrive. Il arrive. Cool. On descend des escaliers On descend des escaliers Sully, je suis là, t'inquiète. Oula, ça va être énigme. Ouais. Henri Avery, Thomas Thieu, complice de toujours. Ouais, ça sent l'énigme tout ça. Les fondateurs, ils en foutaient quoi? La pire de toutes les chasses au trésor. Ce sont les sceaux d'Avery et de Thieu. Mais ils sont légèrement différents. Ouais, il y a les motifs d'étoiles dessus. Ah, il faut... Et ils pivotent. Dans quel sens je dois les... Ah bah d'accord. Je pensais que c'était terminé. Attends un peu. Ah bah, il y en a d'autres à faire. D'autres symboles de pirates. Adam Baldridge, Anne Bonny et Christopher Condent. J'arrive pas trop à voir les trucs, s'ils sont alignés ou pas. Ah, ok. Attends. Lui là, lui, pas bon. Ok, il y en a aucun en haut à gauche, donc ça doit être forcément. Mais quoi? Ça même, mais ça doit se... Pourquoi j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes de chaque côté? C'est les mêmes. C'est exactement la même chose. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où conduit cette porte? J'espère encore trouver un trésor ici. Pareil, avec un peu de chance, moi, on va avoir des regarde, indices. J'avais raison. Baldridge, Bonny et Condant. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils font là exactement? Allons le découvrir. Ah, il y a des carrés. Bonny était rousse. Ah ouais. Là. Tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les sceaux d'Avery et de Thieu dans l'autre salle. Oh la vache, il faut le mémoriser. Oui, c'est vrai, Condant était appelé. Voilà encore un de ces motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah ouais, bien vu, dis donc. Merci. Tu vois, putain, je suis pas seulement qu'un beau gosse. Qu'est-ce qu'on dit? Le sceau d'Avery et celui de Thieu. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens? Je parie que celle-là aussi. Comment on fait?
Ah. Non, 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 non. Reprends. Prends. Tourne. Merci. Et là, lui, dans ce sens-là. Bah, c'est ça. Allez, go. Donc, attends, que je me souvienne juste dans quel sens ils étaient, nos amigos. Les squelettes tête à gauche, cheval tête en bas et le truc tête en bas. Bon, écoute, ça devrait le faire. Squelette tête à gauche, cheval tête en bas et lui tête en bas. Oh là là, trop fort. Ah bah oui, en voilà d'autres. Cela. Eh ben c'est... on dirait... Ouais, t'en sais rien, quoi. Et je te signale qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque. Alors on est coincé. On n'est pas coincé. Arrête. Ton téléphone. Ouais, c'est l'appel à un ami? Pas loin. C'est Internet. J'appelle Sam. Elle envoie lui... Bah, qu'est-ce que ça a changé quand ça... Voilà. Je lui ai écrit leur nom, là. Elles sont vraiment très belles, ces peintures, t'as remarqué? Si jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ok, c'était pour dire. Ici, il y a les étoiles. Oh. Téléphone qui sonne. Ouais? T'es encore dans la tour? Je viens juste de descendre, là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste qui tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Wendt. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mace. Super, ouais, reste dans un endroit où tu captes, au cas où j'aurais besoin de toi. Mais Nathan, t'as trouvé le trésor? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Ok. Bon, lui, moi je veux... Un globe? Ce Wendt, ça devait être un érudit. Ah, Richard Wendt. Il était le capitaine du Dolphin. Ouh, on dirait que lui et Baldridge, ils faisaient un concours de la plus belle moumoute. Ah, là, c'est embêtant. On n'a pas... Tu peux m'aider, celui? J'arrive. Ah, ok. Merci. T'as la peinture, elle a pris un coup. Ils sont gelés, les portraits, quand même. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Bah, ça me gêne. Alors, il est où, le cube? Je le vois pas. Oh là, regarde la tête de Farrell. Il a pas envie d'être là où il est. Non. Il est où? Il y en a nada. Pas. Il y en a pas. Ou alors je vois pas. Non. J'ai appuyé un peu n'importe où. Il y en a pas. Pas possible, je le vois pas. Ah là. Voilà. Putain, ils sont pas faciles à voir. Hein. Alors attends, on va ouvrir et on va le faire déjà sur... Non. Ah oui, c'est un peu plus compliqué. Ok. Est-ce que ça serait ça? Ça a rien d'être compliqué, tout ça. Merde, je me souviens plus du coup. Alors ça, je crois que c'était comme ça. Ça comme ça. Et ça comme ça. Pas du tout. Alors attends, je vais re-regarder. Dauphin tête en haut, gauche, et le truc tout en bas. Ok. Oui. Ah, oh, putain, ça s'arrête jamais. Qui, ces pirates? Ben, franchement, ça me surprend beaucoup que tu les reconnaisses pas. Mais si, je les reconnais. Je veux juste vérifier que Sam aussi, parce qu'il aime se sentir utile. C'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça. Oh non, ça a brûlé. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dirais que c'est une torche qui s'est décrochée. Viens, on va voir ce qui reste. Je reconnais pas ce type. Il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates.
Oh non, y a pas. Ah, c'est là. Ok. Ici, je l'ai là, je l'ai vu, je le vois. Tiens, Sam vient de me répondre. Ah, tu vois celui ? Apparemment, Sam n'a pas toutes les réponses. Ok, je n'avais pas encore vu le saut du singe. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. J'ai trouvé les étoiles, mais qui tu peux bien être ? Yazid al-Basra. On dirait un indien. Presque. Un mogol. Attends, c'est pas les mogols qu'Avry a dépouillé ? Le code d'honneur des voleurs. Ouais, comme s'il était toujours respecté. Edward Inglen. Petit, alors... ouais, mais costaud. Là. Et en voilà 4. D'accord, donc on en a 4, cette fois c'est un peu plus compliqué que 3. Donc, on va ouvrir le carnet. Bon, j'ai les noms de deux d'entre eux. Ça devrait suffire pour trouver la solution. Ça devrait suffire. Si je mets comme ça, est-ce qu'il y a des trucs. Ok, on va laisser ça comme ça. Lui, on va le prendre. On va le mettre comme as. Ensuite, lui, on va le prendre. On va le mettre ici. On va le tourner. Oh putain, je crois que j'ai réussi. Oh, trop fort! Je suis trop fort. Ok, alors la balance, faut qu'elle soit tout en bas. Ok. Ah, je peux ouvrir le journal en même temps. J'avais pas vu. Journal. Le truc du milieu, je dois le tourner vers la gauche. Ok. Le truc à droite, tout en bas. Et le tigre vers la gauche. Ok. Ah, trop fort. Trop fort. Allez, c'est terminé, les énigmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je sais pas trop encore. Tu veux peut-être l'envoyer à Sam ? Vraiment ? Quoi ? C'est pas moi qui dis que c'était l'expert en piraterie. Mais c'est toi qui vois. En voilà déjà une. Pardon, Sully. Et la c'est des îles ? La dernière. Voilà, on va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais, ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais ? T'as juste pris des photos. Prends ça. Est-ce que tout c'est réuni, ça va créer une île ? Ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr ? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça ? Des indices ? Ouais, fais voir. Tous réunis ensemble. Ça va créer une carte. Et voilà. Oh, oh, oh. C'était alors, sûr. Ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais. Et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, matelot, c'est ça ? Quoi ? Prodeus quod licentia. Non, non, c'est pas possible. Quoi, pas possible ? Oh là là, c'est tellement évident. Nate ! Pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux ? Arrête de jouer les mystérieux, c'est bon, hein ? Dis-moi plutôt de quoi attends, tu parles. Attends. Sam, t'as eu les photos ? Quelle surprise ! Je crois appeler sur le téléphone de Sullivan et deviner qui décroche. Ça va, Nate ? Hey. Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro ? Sullivan l'a laissé sur une serviette ? Si seulement. Ça aurait pu me coûter quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous trouver. Ah. J'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Est-ce que tu me lances un défi ? Hey. Nate, tu sais que je suis du genre joueur. Mais ma partenaire, elle est plutôt du genre à... se dispenser de prendre des risques inutiles. Wow, Rafe Adler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable bientôt. Tu laisses tomber. Tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout te pardonner.
souvenir du bon vieux temps. Aussi tentant que ça puisse paraître, Ray. Je t'avoue quand même que c'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois. Très bien. Rodeus quod licentia, pour tuer la liberté. Très belle photo, Ray. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la foi. Écoute, Ned. Si t'es à moitié aussi malin, tu vas accepter notre offre. Tu décides quoi? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel, alors? Attends, Nate, raccroche pas. Nate! Quoi? Dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puces GPS, hein? Oh! À bientôt, mon pote. Merde. Laisse-moi deviner, des types armés vont débarquer dans le coin. Sam, pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Rafe nous a localisés. Sam? Sam! Bon sang. Hey! Je t'en paierai un autre. C'est... Est-ce que ça va faire de la grosse bagarre? Ça va faire boum. C'est trop calme. Aïe 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 aïe, tous les civils. Et voilà. Oh, tous les civils. Eh ouais, bonjour, on Celui. Est là. Je crois que c'est la tour de Sam. Oh! Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. Eh bien, par ici. Ah, excusez-moi. C'est toujours le même chapitre, d'ailleurs. Pardon? Excusez-moi. Je pense que Rafe sera là dans... Vas-y, poussez-vous, là! Ce que je sais, c'est que je vais pas l'attendre ici. Désolé, mec. Ah oui, pousse-toi, frère. Dan, fais gaffe! Oh! T'amuses bien? Oh, c'est vraiment les gars. Mais comment ça, il y avait un mec derrière? Oh oui, la voiture, la voiture, la voiture, la voiture.
Ok, c'est hyper stylé. Oh la vache, oh la vache. Merde, j'aurais dû prendre à gauche. J'aurais été un peu plus vite en passant par là. Restez pas là. Oh mon dieu. Attention. C'est vous. Et vas-y, mais poussez-vous les voitures. C'est hyper dur à conduire. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est hyper dur. Poussez-vous. Putain, mais pourquoi? Mais des Parisiens. Frère, les mecs ils s'arrêtent en plein milieu, des Parisiens quoi. Eh bah heureusement que le camion va doucement parce que sinon on était baisé hein. Maintenant qu'est-ce que je fais? Mais quel escalier? Pas vu, je suis tombé. On va voir si ce camion peut passer par là. Oh, c'est pas vrai. Attends, t'inquiète pas, je gère plus du tout. Oh la vache. On y est presque. Essaie de repérer Sam. Là, je crois que c'est lui. Juste là. Aïe aïe aïe. Accroche-toi. Et tu crois que je fais quoi? On peut l'attendre. J'en ai aucune idée, mais... Et surtout, on sort de la carte de vue. Ce dieu, je crois qu'ils vont envoyer à cette équipe à nos trousses. Ah, étant donné qu'on est toujours en vie, j'en ai pas l'impression. Oh la vache. Ça fait mal. Allez, grimpe, 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 grimpe. Grimpe, 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 grimpe.
très dur. Mais frère, ils se prennent 50 balles, genre mourir à un moment. Non, mais non, mais vas-y, mes crottes de bibite. Mais oh. Et je réapparais, frère, et... Mais vas-y, là! On va mettre des grosses droites, hein! Allez, bye bye, ciao, bye bye! Comment je fais maintenant? Putain! Waouh, 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 waouh! Inhumain, frère, inhumain! Je peux pas, personne fait ça! C'est réglé. Allez, vas-y, recharge. Frère, les voitures elles apparaissent comme par magie. Allez, vas-y. Allez, ciao, bye bye. Il y a beaucoup trop de motos là. Allez, casse-toi. Putain! Allez, saute, Coco, saute! Mal. Ça, oula. Oh pardon, j'avais pas fait attention. Là, vas-y.
Il y a quelqu'un dehors qui les attend. Ça, c'est fait. Encore ? C'est hyper stylé. Wow. Ça va faire boum. Tu l'as dit. Oh la vache. Ça va? Ouais. Allez, on bouge. Ok, sympa. Beaucoup d'explosions, dis donc. Mais est-ce que celui est vivant? Bon, je pense qu'il est vivant, y'a pas de raison. Bah, il est là, tiens. On dirait que la voie est libre. Ouais, tant mieux. Rodeus quod licentia. C'est carrément simple comme code. Pour Dieu et la liberté, c'est leur devise. Toutes ces références au paradis veulent dire qu'on a raté ça. Je suis content de voir que vous allez bien. On va beaucoup mieux que bien. On a trouvé Libertalia. Liber quoi, t'as dit? Libertalia. Apparemment, Avry a fondé la légendaire colonie de pirates. Ça tenait plus de l'utopie que d'autre chose. Ouais, mais le trésor dans tout ça. Ben, si on en croit les récits, cet endroit aurait servi de refuge à des centaines, peut-être même des milliers de pirates. Et on dit qu'ils partageaient tout. Possessions, ressources... Argent. Ils gardaient tout dans un seul et unique bâtiment communautaire. Ok. Alors, où il se trouve ce sanctuaire pour pirates communistes? Ici même. Sur cette île. Au nord-est de la baie du Roi. Et Raif a une copie du parchemin. Oui, bah le temps que Raif le déchiffre, on sera déjà en route pour Libertalia. Je vais vous dire, ce magot, c'est comme s'il était déjà à nous. Oups. Ah! Comment ça se passe en Malaisie, Nate? Oh là là. T'aurais pas un peu dévié de ta route? Elena, c'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment? Parce que vu de l'extérieur, on dirait que tu t'es lancé à la recherche du trésor d'Henri Avery. Et si on en juge par le nombre de soldats de Shoreline qui traînent en ville, je suis à peu près sûre que vous n'êtes pas les seuls sur le coup. D'accord, bon. En fait, c'est exactement ce que tu crois. Mais je peux tout expliquer. Écoute, ça va te sembler dingue. Et c'est toujours ? Ben, pour commencer, je te présente Sam. Sam Drake, mon grand frère. Salut. Je suis désolé. Je croyais qu'il était mort dans une prison du Panama. Mais comme tu vois, j'étais à côté de la plaque. Il a moisi là-bas 15 longues années, tout ça à cause de moi. Et le type qui l'a fait sortir réclame un gros paquet d'argent, c'est pour ça qu'on a tant besoin du trésor d'Avry.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé. Il nous attend sur une île au large de la côte. Ok, attends, temps mort. Ce job, en Malaisie, ça a jamais été que du vent. Bah, tu sais... D'accord. Non, attends, attends. Elena, reviens. T'es allée beaucoup trop loin. Je t'assure que je voulais t'en parler. J'en ai ma claque. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. J'en sais rien en le disant. Il fallait que je te protège. Te fous pas de moi, Nate. T'avais surtout pas le cran de me le dire en face, encore une fois. Je savais que t'allais réagir comme ça. Et comment t'aurais réagi, toi? Pendant des semaines, tu m'as menti. Si tu t'étais fait tuer, je ne l'aurais très certainement pas su. Et le clou du spectacle, c'est que t'as un grand frère. Qui es-tu? Arrête. Tu me connais, je suis toujours le même. C'est pas pareil cette fois. C'est pas vrai. Il fallait que je le tire d'affaire. J'en ai rien à faire de ce foutu trésor. Ce regard que t'avais quand t'es arrivé dans la chambre... C'est une chose de me mentir, mais le plus embêtant, c'est que tu te mens à toi-même. Bon, j'ai un avion à prendre. Surtout, t'en fais pas pour moi. Hé, hey. Mais qu'est-ce que tu fous? Va la rejoindre. On n'en a pas terminé. Bon, on devrait peut-être arrêter. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a peut-être un meilleur moyen pour sauver Sam. Comme quoi? On pourrait peut-être lui trouver une nouvelle identité. On pourrait lui trouver une planque. Il a passé les 15 dernières années en prison. Pas question qu'il se terre dans un trou. Bon, d'accord. Toi, tu cours après ta femme. Sam et moi, on se dirige vers Libertalia. Sans moi? Vous allez vous faire tuer en moins de deux. Tu crois ça? Écoute, fiston, ça fait un paquet de temps que je suis dans le métier. Alors je crois que je peux quand même... Hé, tu veux te rendre utile, Sullivan? Va garder un œil sur elle. Si c'est ce que tu veux. T'as besoin d'un coup de main? Ça va. Va faire tes bagages. Maintenant. On se retrouve comme au début. Hé, hey Nathan! Au tout début du jeu. Terre en vue. Il y avait la grosse bagarre. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est pas mal. Tiens-moi ça deux secondes. Avec tout ça... Toutes ces aventures dont on s'est sorti in extremis, je crois qu'on n'a pas encore pris le temps de se poser et de prendre la mesure de tout le chemin parcouru. Hein? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ouais. Écoute-moi, petit frère. Elle finira par s'en remettre. Avec un trésor comme celui-là en poche, elle t'en voudra pas. J'en suis pas sûr. Je crois que j'ai peut-être... trop souvent fait la même erreur. Ouais. J'avais dit au début du jeu que ça puait le caca et aurait dû lui dire. Ah, donc là on va être en bateau?
C'est marrant, j'imaginais ça. Plus grand. Ouais, donc je suppose que c'est un nouveau chapitre. Je vais nous trouver un coin où accoster. Comment ça, c'est pas un nouveau chapitre? C'est pas un nouveau chapitre? Bah, c'est fou ça. Si, c'est un nouveau chapitre. Bon, c'est un nouveau chapitre. On va se l'accorder. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle était beaucoup plus longue que d'habitude parce que ce chapitre-là était long. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. À me rejoindre sur les réseaux sociaux. Enfin, vous connaissez la chanson. En attendant, des bisous et à bientôt.